Bon, Daniel, mais tu vas où, hein? Oui, oui, tracasse pas. Là, on rappelle plus, là. Il y en a un an de ça, un peu plus d'un an, nous t'es ici. Bonjour, La Réunion. Bonjour, bonjour, comment il est? Alors, aujourd'hui, nous ramène à Zot ici, du côté du Guillaume Saint-Paul. Et voilà. Et nous, ça va voir, donc, Alexis et Constance, donc, pour parler un petit peu de ce que Zot l'a fait depuis un an et demi, à peu près. Voilà, ça, on est toujours dans la culture, le maraîchage, etc. Ben, toute la famille, là, ça va du grand-père jusqu'à petits-enfants. Exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça t'y prend ce que ça donne sur cette carole à terre et ça t'y amène dans la marmite. Allons pas perdre le temps. Allez, nous ramène à Zot avec nous. C'est parti. Bon, ben, nous la rentrée, nous, hein. Nous te connais déjà chemin. Ah ben nous oui. Nous l'a retenue. Nous l'a retenue. Bonjour Alexis. Comment ça va? Ça va bien, Isa. Bonjour Constance. Bonjour Alexis. Vous allez en pleine activité? Oui. Hein? Alors raconte-nous un petit peu depuis que nous l'a nuit, comment il se passe là ici, la Constance. Alors ben, depuis que moi j'ai eu mon diplôme la dernière fois, ben, là nous l'avons 100% dans la culture avec les parents. Et nous ouvrons aussi notre activité sur le côté en transformant tous les légumes que Nena a ici avec les agriculteurs alentours. D'accord, donc vous avez fait de la transformation aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, nous invitons Zot à notre table aussi, surtout. Quand Zot est venue en 2022, nous avions déjà cette idée d'ouvrir la table d'hôte. Mais après, avec les aléas, nous retardons un petit peu l'échéance. Ben là, ben, ma fille a contacté l'accueil paysan, Guito Crescence. Il est adhéré depuis novembre, je crois. C'est ça. Non. Ouais. Nana, l'option table en plus. Hein. C'est ça. Et c'est vrai que l'année dernière, nous l'avions récupéré des produits chez Zot. Nous l'avions ramené sur Saint-Paul en bas. Oui. Mais là, ça ne l'avait pas cuisiné. Non. Mais là, ce sera différent cette fois-ci. Et c'est qui passe à la cuisine aujourd'hui? Alors aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous laisse papa et maman. Ah. Ah, les valeurs sûres, on veut dire. Voilà, c'est ça. Ben, les gens, quand ils viennent ici à notre table, déjà, Zot, ils veulent découvrir des produits sains. Tout ce que Zot aura dans la marmite, dans notre assiette, il vient essentiellement de chez nous. Et quoi ça nous a ramassé un petit peu là aujourd'hui dans notre thé à la Alexis? Aujourd'hui, ben, ça sera choucal. Ouais. Nous va faire aller en salade. Ouais. Après, on aura juste des yamas là, du boisson que nous a récupéré. Ah, oui. Et là, nous a fait un petit beignet boisson, je pose. Bon, ben écoute, si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas, nous est là. Alors, ben, mais ça se casse de petits feuilles choucal et après, nous, ça regarder comment nous coupe le boisson. Les bons, pas de souci. Le métier d'agriculteur, il est très difficile. Dans mon esprit, c'est que nous nourrissons la population. Soutenez vos agriculteurs parce qu'on en a besoin. Rappelle à moi un petit coup, que ça nous a fait avec Sanoa. Nous prend que le bois, nous là. Nous prend que le bois et nous ça fait baigner de boisson. D'accord, ok. Une petite spécialité, papa, ça. Et là, le climat est agréable en ce moment là, non? Oui, il en a beaucoup de pluie, du coup, il est idéal, peut-être. Oui, la songe, il fait son beurre. Il dans son beurre, c'est ça. Ben, un joli carreau quand même, hein? Ah, oui. Et quand nous, la dernière fois, on avait déjà. Ça l'était dans le maraîchage, non? Dans oui, nous étions plus dans le maraîchage. Et là, nous diversifions à nous beaucoup dans tout ce qui dit racines. Nous la plantons aussi un super petit carreau maï là-bas. D'accord. Nous l'avons vu quand nous l'a arrivé. Tartichaud aussi, nous la remettre en place de nouvelles parcelles. Et après, c'est patate douce, comme la dernière fois. Ouais. D'accord. Ouais. Et là, au niveau du bois, là, quelle qualité? Comment ça sélectionne les bois, la bois de songe, n'importe comment? Non, quand non, même pas. Non. Alors, là, on va voir, on a un cœur de songe qui s'est sorti là. Ouais. On ne prend pas le cœur, on prend le deuxième bois. Que l'est à côté, là. En face. D'accord. Ça, c'est important, ça, de savoir. Oui. Parce que demain, si on y rentre dans un carreau, ben, il ne faut pas lui couper ça dans le cœur dedans aussi. Ah oui. Ça, c'est primordial. OK. Bon, allez, c'est Daniel. Allons continuer notre petite balade et retrouve Pépé en chemin. Mais récupère la caisse, moi. Hein? Oui, s'il te plaît. Ben, du coup, là, je ne connais pas si vous l'avez remarqué, mais en bas, le maïs est plus petit. Vous êtes-tu connu pourquoi? Pour la plante après. Non, tout ça là, a été planté environ une semaine d'intervalle. Mais en début d'année, on avait le cyclone Belal qui est arrivé. Toute la partie d'en bas là, a souffert. Nous, là, du repas du tracteur dedans et replanté ben, directement quand on l'est passé après. D'accord. Vous allez perdre tout le maïs que l'était là, en fait. Tout le maïs et les haricots que t'es dedans. Et normalement, on aurait dû être la même grandeur que d'hier. Oui. C'est ça. Mais c'est juste magnifique. Ah, regarde ça nous en bas. Oh, Pépé! Attends, nous arrive là! Bon, papa était agriculteur avant. Ben, de temps en temps, on peut donner un petit coup de main quand on est à l'école dans les vacances, là, manger bœuf,
la paille canne, coupe canne, tout ça, vous donnez un petit coup de main. Papy, garde que ça nous rend aux visites. Oui, madame Alice. Excusez-moi, dit madame Alice, c'est monsieur Daniel. Ah ben là, je vous dis monsieur, monsieur, nous non, mais dis-nous là. Je vous dis bonjour, vite fait. Nous allons entendre pourquoi nous. Ah oui. Vous allez bien? Bien, merci. Moi, je suis content, moi, bien sûr. L'enfant? On a une petite visite, ben oui, l'enfant. Et toujours un gaillard, ouais. Ah ouais, ah oui, si. Non, 82 ans, hein. Ben moi, non, 42, 82 ans. 82. Quand nous l'avez, juste 80. Juste 80. Juste 80. Vous avez vu ça? Il rajeunit. Il rajeunit même. Et là, qu'on est en train de faire là, ce matin? Là, moi, pour faire un peu la souche là. Ouais. Il y a un petit plaisir, après je prends la pique, je fouille le trou, je remplace un peu, je plante un peu, bonne boutique. Oui. Ben oui. Ça, il aime ça, géranium là. Ah, mais oui, oui, oui. C'est ça, il donne nous la santé. La terre, c'est notre plaisir, c'est ça pour nous. Ouais. Mais en tout cas, ce midi, nous mangeons avec vous. Ah bon? Oui, la zène, nous allons là, nous mangeons avec vous ce midi. Pas bien bon. Ça, les gaillards, ça, non? Oui, oui, oui. Ah, oui. Nous va passer à table ici, chez Thiogus. C'est bon. Alors, okay. Alors. Pas de problème, moi, ça où? Et le chien, là, on est marré là-haut, nous, quoi. Toute la marée. Aujourd'hui, nous, c'est bien que nous l'avons eu un pas en avant. Nous l'avons pu ouvrir notre table d'hôte. Et dans un avenir quand même assez proche, les enfants, par rapport à notre atelier de transformation, Zoti pourra transformer nos produits à nous, ainsi que les produits de différents agriculteurs dans le coin. Et ce sera un marché court. Papy, allons. Allons, on a bien travaillé là. Mais par exemple, tu m'y montes un petit peu exact là-bas. Ah non, on bon, dérange okay. Pas nous. Nos histoires pour raconter à nous, viens. Ni prends un gin, ni bois un café. Ah ça oui. Même. Bon, ok alors. Vous l'avez bien mérité. Nous, toujours alors. Allons, allons, allons. Allons, montez. Attention, on glisse, hein. Non, pas faire attention. Maman, marche quatre pattes. Bon, Daniel, nous avons les quelques animaux, il reste à nous. Par contre, Alexis et Alice, me laissez les aller en cuisine là-bas voir les autres. Ah, ben écoute, les bons, nous ça va. Bon, allez, à tout à l'heure. Comment il est? Il est là, bonjour. En forme. Ça va, ça va. Constance disait, il reste à soi quelques animaux pour ça l'arrivée dans. Comme ça, regarde la queue, mon cassin. Nous, t'es plein canard là-bas. Poulet fermier. Et pintade. Ouais. Le chien, ben tout. Là-dessus. Mais ça, c'est un fléau, le chien, là. Justement. Et moi, pas tout seul, mon voisin, pareil. Mon voisin, il a 25 ans. Ouais. Mais grâce à moi, des trois petits là, on fait gros aussi là, après, on a fait en bas pour garantir, allez, sinon, il est baisé. Ben, si, le problème, le gros problème, c'est le chien. Moi, j'avais cabri, moi, j'avais canard, poule. Ben, le chien, le soir, il vient, il mange tout. La dernière semaine, pour passer la nuit encore, là, mange toutes les bonnes volailles. Il reste quoi? Un, deux, trois petits canards. Deux, trois petits canards, trois petits pintades dans le coin. Un coq. Un coq. Et puis des trois lapins. Mais tu là, t'es plein lapin dedans là. T'es chargé lapin. Les gens arrêtent lâche le chien partout. Parce que là, il y a un 20 carton dernièrement, là, ben, t'as petit chien dedans, en bas pareil. Ah ben, Dominique lâche le chien partout. Prends vos responsabilités. Je sais pas moi, amène la foyer ou bien fais un truc. Et c'est nous, agriculteurs, nous les baisers, les éleveurs, nous les baisers. Bon, laisse ça de manger tranquillement. Ah oui. Là, nous va attaquer un petit coup le repas pour midi. Allez, allons-nous là. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend de faire là? Bon, allons voir mamie. Alice et maman en train de plus le bois de songe. Ok, les bons alors, pas de soucis. Même ça, la bague, allume-moi, fais toujours, moi alors. Bon, ben, les bons. Allez, okay. Moi, toujours de feu alors. Ben, qu'est-ce qu'on attend de faire? On est en train de préparer le bois de songe pour faire des beignets avec. D'accord. Et il reste entier comme ça? Non, on a une préparation à faire. Donc là, nous l'entraîne de plucher déjà le bois. La peau. Gros filasse, ouais. Ça. Après, nous coupons en morceaux comme ça. Nous, ça laisse aller tremper deux minutes. D'accord. OK. Par combien de bien de passoire, hein? Ben, c'est un petit trésor. De la famille, ça? De la famille, oui. Ça, comment les cabossés, mais il y a un joli cabossage. Elle a bien travaillé. Ah oui. Parce que c'est un héritage de mamie. D'accord. Ça vient de mamie, ça, alors? Premier passoire qu'on a parti en ménage. Oui, ça a bien mangé, là. Constance a fini d'annoncer à nous la couleur, déjà, là. Bon, ça a bien mangé. Ça soit tranquillement fait à ça. Mais bon? Ça va, comme d'habitude, mais ça fait un petit tour aussi. Niveau du feu de bois, la miwa là-bas, il flambe. Avec Alix. Et nous allons que ça nous amène de marmite aujourd'hui. Mais bon, allez, bon courage à ça, à tout à l'heure. Hein. Allez.
Bon, ça l'a compris, nous l'est en compagnie d'Alix et là nous a attaqué notre cuisine feu de bois. Et que ça nous a fait, nous a mis dans le marmiton à Alix. Ben là, aujourd'hui, ça nous a fait un lapin au vermouth avec de pain frais dedans. Comme longtemps, papa t'a fait. Bon, bon ben allez, allons pas perdre le temps. Hein. Ben allons attaquer. Oui. Comment nous commençons là? Bon, attends, maintenant marmite. Dessus le feu là-bas. Le temps il chauffe alors? Oui, le temps il chauffe. Après, il prépare nos épices. D'accord, ok. Bon, donc là, ça commence par quoi là? Vous aimez l'huile? Réchauffe un peu l'huile. Ça c'est mon lapin. Ça c'est de lapin. Lapin la cour, ça hein? Ah la cour. Ça il mange mon herbe, ça il mange. Ou de maïs. Maïs. Non pas maïs lapin. D'accord, maïs jaune. Ah ouais pas maïs jaune là-bas là, dans ta roule là-bas là. Et là que ça il peut avoir, que ça les gens ils peuvent découvrir un peu sur la table là. Donc un lapin. Lapin, ben là nous aura poulet. Et comme légumes après, ben nous avons songe, nous avons boissons, nous avons maïs, nous avons fait tout, parce que tous les légumes, tout ce que vous pouvez avoir là-bas, ah, ils en retrouvent oui, sur la table ici. Tout. Ouais. Bon, nous avons des oignons dans Daniel. Hein? Donc là, merci. Nous lavons les oignons. Nous avons des oignons. Là, va aller à combien d'oignons là? Parce que là, on avait au moins 2 kilos de lapins, là, des 3 kilos, non? On avait deux lapins, on va mettre 2 oignons dedans. D'accord, ok. Ouais. 2 gros oignons, on va mettre dedans. Mais tu veux revenir bien les oignons. Alix, oui. Qu'est-ce que ça fait là? Ben mettre un petit peu de sauce huile dedans pour gagner un petit peu le goût. Ah, ça, ils sont tous en dedans. Il n'y a pas beaucoup. Sauce huile d'un. Ah, on va voir, italien. Et pourquoi mettre le petit sauce huile? Ben, mon habitude fait comme ça, mettre comme ça. Pour moi, le goût, il me trouve le goût meilleur. Hein. Ah, oui. Oh, ben, maintenant, un petit peu de sauce huile, hein? Ben. Ouais, vous mettez une bonne quantité. Ah, oui. Voilà, ça c'est mon thym poivré, il met dedans. 4 épices. Il fait 8. Mon laurier. Ah, tu laurier aussi alors? Oui. Mon vermouth. Ah, ben, on ne met pas trop, essayez de mettre avec modération ça, non? Ils mettent un petit peu au début, moi, ils mettent un petit peu au début, comment ils rentrent bien dedans. Hein? D'accord. Là, pour gagner le goût au début. Camarade, comment ça sent-il? Ah, là, le dé a déjà râle. Et là pourquoi cuit? Et là pourquoi fini? On va mettre le pain et nous retournons à notre table alors. Ok, d'accord. Mais bon? Mais bon, laisse. Ok. Ok. On bien arrive maintenant. Alors mon carré, il n'a pas arrivé là. Viens ça, Daniel. Viens, c'est bon, tout est prêt. Daniel, hein? Non, papy, c'est bon en premier. Mamie. Daniel, c'est bon à moi. Ah, on a de moulin invité, même si elle n'a pas invité à Zot, hein? Oui. Zot, il vient quand même, hein? C'est ici d'abord. Hop là. Bon appétit. Merci, bon appétit à vous aussi. Goûte ça un peu en salade, nous n'avons jamais ici, on a déjà mangé en salade, non? Non, pas en salade comme ça, direct. Première fois, le choucal. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup à la famille Laurette. De rien. Avec plaisir. Hein? Merci pour, l'accueil, hein, déjà. Et puis pour tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui, votre histoire et tout ça. Bon appétit. Hein? Merci. Merci pour ce bon curry, dit curry, s'il veut. Curry lapin. Curry. Avec un petit crouton de pain là, les juste parfait, le petit sauce bilingue à côté. Top. Et puis, ben, nous, il y a un produit pays, il a remarqué. Parce que nous, on ne fait que ça aujourd'hui, nous, on ne parle que de produits pays comme ça. Nous, il y a manger. Il y a manger. Quand les bons, il faut dire les bons. Ah. Les bons. Donc, bon appétit à Zot Tabac qui prennent regard à nous. Et puis, nous, à Zot, à la semaine prochaine. Allez, bye bye.